Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Full Set Mega Drive. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec Dick Tracy sur Mega Drive, sorti en 91 et édité et développé par Titus Interactive. Titus. Titus, c'est le fameux studio qui vous avait. ils avaient fait Bubsy, si je dis pas de bêtises, mais ils avaient fait surtout Superman sur 64, donc c'est pas forcément gage de qualité. Alors, donc Dick Tracy est le jeu adapté du film, adapté de la BD. Donc, ouais, c'est un peu compliqué. C'était une BD sortie dans les années 30, si je ne dis pas de bêtises, on va rester en normal. Et donc adapté en 90. Par Touchstone, donc par Disney, réalisé, produit et joué par Warren Beatty avec Al Pacino et Madonna en casting, donc gros casting. C'est un film qui a fait un gros four. Et déjà, il a coûté plus de 40 millions de dollars. Disney a investi à peu près 50 millions de dollars. Alors, comment ça marche? Je saute, donc ça. Je peux tirer en arrière-plan et je peux tirer devant. Ok. Investi 50 millions de dollars dans la com. Donc voilà, autant vous dire que. Hop là. Que l'échec a été assez retentissant. Voilà, attendez, je t'aime. Alors, je suis mort. Ok. Il faudrait que je regarde un peu plus ce que je fais. Donc la particularité du gameplay de ce jeu, c'est donc on peut tirer, enfin comment dire, on peut tirer et sur les ennemis en arrière-plan et sur les ennemis qui arrivent sur nous. Alors c'est quand même, enfin c'est une technique de gameplay qui est assez innovante, enfin qui est pas pour me déplaire en fait. Alors c'est par contre pas évident de viser l'arrière-plan et j'ai tendance un peu à me mélanger les pinceaux avec le bouton de tir en arrière-plan et en premier plan, mais bon, c'est pas évident. Donc voilà, le film à l'époque a fait un gros four. Donc gros casting. Hop, attendez, vous allez mourir derrière. Gros casting et il n'a pas rapporté assez. Alors j'ai pas les recettes en mémoire. Ce que je peux reprocher au film, c'est que même si c'est pas un mauvais film, c'est pas non plus un excellent film en fait. Comment dire, le casting est excellent. Al Pacino a même été nommé aux Oscars pour son rôle. Laisser se tirer dessus, hop. Donc pour sa prestation dans le film, Madonna, ça va quoi. Même si ça apparemment, ça a un peu gueulé parce qu'à l'époque elle sortait avec Warren Beatty, donc on trouvait ça un peu bizarre de mettre Madonna en second rôle assez important, alors qu'elle sortait avec le producteur, réalisateur et acteur principal du film. Donc ouais, il y a un chrono, mine de rien. On va pas trop traîner non plus. Dommage, je suis mort. Bon. Donc ce qu'on peut reprocher au film, c'est... alors déjà, c'est sa BO. Donc c'est une BO de Danny Elfman qui ressemble beaucoup trop à celle de Batman. En plus, le film arrive juste un an après. Voilà, moi si je pouvais comparer ce film là, ça serait un peu un sous Batman, un peu dans l'esthétique, avec un côté très coloré de la série Flash, qui était clairement inspiré de Batman dans les années 90, hein, dans la série des années 90 de Flash. Ça me déplaît pas tant, le film me déplaît pas tant que ça, parce que c'était, enfin, la... C'était assez culotté, c'était très coloré, c'était avec uniquement des effets spéciaux. Par contre, ça serait sympa de pouvoir se mettre à couvert en fait pour l'arrière-plan. Donc je disais,
C'était une direction assez culottée parce que, alors qu'on peut le voir sur le tweet que j'avais fait pour le tweet, c'est très cartoon au niveau des make-up, c'est très coloré, c'est que des effets, que des spéciaux non numériques, ça a de la gueule. Par contre, c'est quasiment que des plans fixes. Et du coup, le film a aucune énergie, quoi. Merci de recharger. Alors, je peux tirer à croupi aussi, ok. C'est bon à savoir. Alors, hop, les mecs qui sortent de la bagnole. Je trouve ça par contre sympa de pouvoir péter les vitres. Et un petit peu de vie, ça serait sympa. Donc voilà, Madonna a même fait la tournée sa tournée mondiale avec une grosse promo sur Dick Tracy. Disney avait fait une comédie musicale à Disney World le mois de la sortie du film. Mais alors je me demande si ça n'a pas été, comment dire, le trop de pubs, voilà, ça a peut-être pas encouragé les gens à aller le voir. Ils ont peut-être été tout simplement saoulés par toute cette promo. Et du coup, ça les a un peu dissuadés d'aller voir le film. Après, si vous avez l'occasion aujourd'hui, il doit être sur toute bonne ou mauvaise plateforme de VOD. Il doit se trouver facilement. Essayer de passer le premier stage, ça serait pas mal. Oh, dommage! Pourquoi je suis relevé? Par contre, ouais, il est pas évident, mine de rien. Bonne chose à savoir si on tire en arrière en restant. On reste accroupi sans rester sur la touche. Et j'ai l'impression d'être moins facilement touché quand je suis accroupi. Ce qui est pas pour me déplaire. Salut le frais. J'espère que ça va. Voilà. Comme tu peux le voir, je dézingue du mafieux. Alors, est-ce que tu l'as vu? Forcément, je l'ai prise. Est-ce que tu l'as vu le film Dick Tracy? Oui, on dirait que je touche toujours à mon cœur. On reste dans le côté mafieux. Non, mais je suis un peu stupide à me jeter sur les balles, moi. De sauter en fait dans ce jeu. Surtout pas que je saute. Ah! Boss? Qu'est-ce que c'est? J'ai fini juste le stage? J'ai fini juste le stage. Non, je joue toujours pas mon cœur, rassure-toi. Donc voilà, Warren Beatty a été aussi décrié sur la sortie du film parce que les gens le considéraient comme trop vieux pour le rôle parce qu'il avait approché une bonne cinquantaine à cette époque-là. Non, moi je pense voilà, surtout que le film est sorti peut-être trop tôt après. Ah! Là, c'est que de la castagne. On va leur taper dans les burnes. On va faire. Allez! Tape dans les burnes. Tiens! Oh. J'ai une allonge un peu limite. À cogner. Oula, je me suis pris dans la gueule. J'aurais dû me baisser. Oui, c'est fini, oui. Ok, alors par contre, lui,
Ok, faut monter. D'accord. Oui, en effet, il y avait Madonna qui jouait dans le film, qui jouait. Ah, j'ai plus son nom. Elle jouait la un peu la traîtresse, si je peux dire. En fait, elle essaye de tirer les vers du nez de Dick Tracy. Alors, je connais pas bien Dick Tracy comme comics ou comme enfin le film. Je l'ai vu petit. Faudrait que je le remate. Mais non, c'est pas. Je sais qu'il y a eu un dessin animé aussi dans les années 60, je pense. Mais alors, ouais, du coup depuis le film. Si je dis pas de bêtises, Warren Beatty était chaud plus récemment pour faire une suite au film, mais il aurait été uniquement producteur par rapport à son âge. Ouais, d'accord. Très plein de gueule. Ah, je suis monté. D'accord. Ça, c'était cadeau. Voilà. Il va pas en faire des caisses. Ici, 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 ici. Reste couché. Je préférais quand j'avais un flingue quand même, hein. Parce que du coup, le bouton C, là, ne sert plus à rien. Ah, mais. Du coup, le pattern était trop court là, les gars. C'était pas bien pensé, Titus. Alors, à savoir en plus que la production du film a été assez mouvementée. Ça a été droppé par le premier prod. Du coup, Warren Beatty a pris la réal. Après, ça a été lâché par Paramount, je crois, en un premier temps, puis racheté par Disney. Ah, c'était déjà un peu bancal déjà de base, hein. Et on est à la moitié donc de ce full set Mega Drive sur Dick Tracy. Oui, les ennemis qui peuvent pas tirer dessus parce que je suis baissé. Et oui, mais tu sais, quand t'as des bras de Playmobil, c'est compliqué de pouvoir viser, quoi. Donc voilà, les. Alors par contre, je me rappelle que des. Ok, du coup, on se retourne. Péter les vitres. Allez, c'est de sauter pour. Sauter au-dessus des balles, lui. C'est cru dans Matrix. D'accord, c'est le boss. Ok, c'est Itchy. Par contre, je trouve ça assez. Ouh, cette petite roulade. Je trouve ça assez rigolo de pouvoir péter les vitres. Allez, Ichi, sors de ta cabane. Je vais te canarder, Ichi. Tiens, Ichi. Moins le malin. Et mes amitiés à Scratchy. Fin du niveau? Ah non. En tout cas, non, c'est pas la fin du niveau, mais je peux plus avancer. Et. Ça commence à devenir compliqué. Ça devient plus dur. Alors. Dommage, je l'ai pris. Alors, est-ce que moi je suis un peu concentré là, ça devient un peu compliqué. Tiens, coupez les gants.
Dommage, il a une frame d'invisibilité quand il se relève pour se barrer sans forêt. Alors je sais pas pourquoi j'ai sauté, hein, me demandez pas. Ah dommage, je suis mort. Dommage, dommage, dommage. Allez, continue. Est-ce que je reprends sur, sur Ichi là? Ouais. Tiens, petit coup. Alors. Hop là. Je crois qu'il faut avoir la foi pour se faire la, cette jolie petite roulade alors qu'on est en costard violet. Alors par contre c'est tellement imprécis sur l'arrière que... Alors tu canardes hein. Mais ça reste assez fun comme dynamique de gameplay. Hop là. Dommage. Ça commence. Oh, putain. Excusez-moi. Alors. Alors dans le film il y avait Al Pacino. Il y avait Warren Beatty, il y avait un gros gros casting, j'ai pas retenu tous les noms du casting, mais voilà. Pacino a été nommé aux Oscars pour ce film-là. Est-ce que vous pouvez arrêter de me canarder, vous les gars, derrière? Putain, ça c'est... Ça c'est quand tu relâches le bouton qui se relève en auto, c'est le piège. Alors, là, je vais rester au milieu. Ok. Super esquive. Là, allez, hop. Et maintenant, on peut réavancer. Je suis en train de me ruiner le pouce sur le stick. Tiens, tiens, tiens. Tiens. Non! Saute pas! C'est bien, ils font un peu courir comme, un peu comme des... Oui! Et voilà. Le stage est passé. Et on se rapproche du coup, on aura fini le stage pour la fin du pour la fin de l'émission.
Allez hop, stage 2. Et c'était pas évident, et je le pousse en feu. Donc, bonus round. Ok, bah écoutez, on va finir sur ce bonus stage avant de se quitter. Ah, dommage, ok, je. Comment ça marche? Ah, ok, c'est par rapport au bouton. Ok. Je comprends, en fait. B, enfin ABC, c'est pour gauche, gauche, milieu, droite. Ok, lui, il fallait pas lui tirer dessus. Mais faut connaître un peu le film quand même. Bon, et ben voilà, c'était Dick Tracy sur Mega Drive. Merci d'avoir assisté à cette émission. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine émission. Et ben écoutez, merci d'avoir participé. Et puis, à la prochaine. Bye les gens.